Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les énergies donc de ce mardi 23 juin. Donc voilà, donc je vous remercie hein, toujours avec vos petits messages. Merci en tout cas et bonjour, bienvenue donc aux nouveaux abonnés, voilà sur de ma chaîne. En tout cas, je vous remercie en tout cas d'être fidèle et puis de partager aussi ces vidéos avec bah, les gens, les gens, les amis, voilà. Donc je vous remercie pour tout cela. Donc aujourd'hui nous allons donc faire les énergies pour ce mardi 23 juin. Donc pour cela je vais prendre l'oracle des miroirs, voilà pour changer. Allez, nous allons donc je vais battre ces cartes. Donc, je vous parle de compromis, de négociation, de choses, voilà, que on va peut-être mettre au point, en tout cas. Poupoupou, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Allez, c'est parti pour les énergies de ce jour, pour ce mardi 23 juin. Donc, je vous répète, voilà, je vous explique que ce sont des énergies générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, vous prenez ce qui vous parle. Je vais essayer en tout cas d'être le plus la plus vaste possible dans mes interprétations. Voilà, parce que selon les cartes avec des associés d'autres cartes. Quand on associe d'autres cartes, ça peut parler aussi d'autres choses, puisque je vous rappelle que ce sont des guidances générales, hein. Ce sont pas des guidances personnelles. Allez, donc c'est parti pour les énergies, donc ce mardi 23 juin pour nos amis. Allez, je pense que là, c'est bon. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Alors, pour certains, donc voilà, je vous fais voir la coupe. Alors, pour certains, vous voyez, vous avez la projection. Donc, soit qu'on a du mal à se projeter dans la vie, parce que on a été trompé, parce qu'on a été trahi. Et puis il y a la non-acceptation, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'avoir été trahi, voyez. Vous êtes dans la non-acceptation de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez subi, voyez. On est dans la non-acceptation, voyez. Donc on n'arrive pas, on n'accepte pas tout simplement. Hein, on a non-acceptation de cette trahison que voilà, on a subie. Alors, on vous parle quand même d'une chance hein, pour vous, et puis peut-être aussi des possibilités de choix hein, qu'on aura fait. On parle de miroir magnétique, alors peut-être que simplement dans le couple, hein, certains on peut parler de fin, de choses comme ça. En tout cas, la coupe, c'est la non-acceptation. On n'accepte pas, on a été trahi, on n'accepte pas. Voilà, tout simplement. Comme toutes les personnes qui ont été trahies, hein, je ne pense pas qu'on accepte ce genre de trahison. Allez, c'est parti donc pour ce tirage, pour les énergies donc, du 23 juin. Allez, donc on va mettre une première rangée. Allez, 3. On va faire 4. On va voir après. Déjà, on va voir qu'il en, voilà, en culpabilité. Vous voyez, on vous a accusé de certaines choses. Il y a des choses qui ne vont pas. On vous montre du doigt. Vous voyez, on a des choses. Le fait de se sentir coupable de certaines choses, les reproches qu'on peut vous faire. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on est quand même dans la culpabilité, dans le mal-être aussi. Mais on vous parle de quand même de tranquillité ou des choses que vous aimeriez ou la tranquillité qui va peut-être revenir de nouveau, vous voyez. Ou en tout cas, ça vous empêche peut-être aussi d'être tranquille hein, pour certaines personnes. Parce qu'on vous parle quand même de culpabilité, de reproches qu'on vous a fait.
Vous voyez, on a le mal-être, en tout cas, le mal-être, votre mal-être, et ça peut-être ça vous empêche aussi de voir la tranquillité et puis de réfléchir peut-être à certaines choses. On voit qu'il y a des discussions, vous voyez. On voit qu'on est en train de discuter, peut-être mettre des choses au point. On est en train, en tout cas, on est en pleine discussion. Et puis on voit que peut-être qu'on pèse le pour et le contre parce qu'on est on a la santé, mais c'est aussi poser un diagnostic pour certains d'entre vous. Voyez, on me parle que vous avez besoin de repos, besoin de souffler en tout cas. Voyez, voilà, vous êtes dans une phase, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de souffler. Voyez. Alors on me parle peut-être des choses nouvelles, on me parle de fécondité, donc peut-être de nouvelles de nouvelles choses. Allez, il y a des choses nouvelles, la fécondité aussi, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein. La fécondité, c'est toujours quelque chose qui va vers qui va faire un nouveau départ, un nouveau commencement, un projet. En tout cas, vous avez peut-être un projet ici. En tout cas, on vous parle de projets, de choses nouvelles hein, pour vous. Là, on est en pleine discussion. On voit qu'il va falloir discuter pour peut-être se mettre d'accord aussi. On me parle peut-être de voyage, peut-être de déplacements qu'on pourrait faire, en tout cas, ou de voyage. On me parle de voyage, de vacances. Moi, je pense que c'est pas des vacances, je pense qu'on est plutôt en réunion. Peut-être qu'on va peut-être peut-être ça me parle de temps, ça me parle de vitalité, de choses qu'on aimerait bien retrouver, voyez, mais en fait il vous faut encore du temps. Vous voyez, on a besoin de souffler, mais on vous dit que vous avez besoin de temps. Donc peut-être que si on a besoin de vacances aussi, tout simplement, hein, peut-être que là on discute, peut-être pour mettre des choses. Peut-être qu'on a besoin de partir, on a besoin de voyager. On va en recouvrir parce qu'il y avait quand même un plan nouveau ici pour essayer d'approfondir un petit peu les choses. Voyez, ça me parle de fécondité, moi. Peut-être de fécondité, peut-être qu'on va fêter peut-être l'arrivée. D'un nouveau-né, puisqu'on me parle de fécondité, on me parle de joie aussi, voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui s'engage pour vous, hein, de nouveau, avec de la joie, du bonheur. Moi, je vois peut-être qu'on va fêter un événement, donc un changement en tout cas pour vous, et un changement qu'on va fêter. Donc, ce sont des solutions aussi, hein, on va retrouver peut-être. La joie, la gaieté, en tout cas, hein, ça peut être, c'est une satisfaction, c'est du bonheur, en tout cas, sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être qu'on va fêter l'arrivée d'un bébé, parce qu'on a quand même la fécondité qui était au-dessus. On me parle de discussion, pour retrouver peut-être sa tranquillité, des réunions, des discussions, pour aussi se protéger hein, de certaines personnes, en tout cas. On me parle de voyage. Alors, il y a des discussions peut-être pour partir en vacances ou pour voyager, pour partir ailleurs, peut-être avec sa famille. Donc, peut-être un nouveau projet pour partir ailleurs, pour déménager. Parce qu'on me parle de voyage. Bon, alors, les voyages, ce n'est pas non plus les vacances. Sur un nouveau projet, on peut aussi avoir des projets. On met des discussions. Il y a des discussions peut-être pour partir ailleurs, pour un déplacement, ouais, peut-être pour se déplacer, alors peut-être pour prendre des vacances en famille aussi, ça peut me parler de cela aussi. Parce que peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de gaieté, de voyez, on a besoin de souffler en fait. Voilà, moi je dirais qu'on a besoin de souffler, on a besoin de partir en vacances avec sa famille. Là, ça me parle d'enfant, mais ça me parle de joie, hein, de joie retrouvée. Peut-être on a besoin de partir, se retrouver aussi en famille. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être partir, ils n'ont peut-être pas la famille près.
et qu'ils envisagent de partir, ils ont besoin de souffler et qu'ils envisagent de partir rejoindre leur famille, peut-être qui est pas peut-être à côté non plus, hein, ça peut me parler de cela aussi, hein. En tout cas, ça me parle de bonheur en famille, hein, de joie familiaux. Ça me parle de famille ici. Et ça me parle d'enfants. D'enfants, c'est la jeunesse, mais c'est aussi de se retrouver aussi en famille, retrouver ce noyau de famille, un peu, oui, un peu la stabilité, la structure, ou se protéger tout simplement. Moi, je dirais qu'on a besoin de se retrouver en famille. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, il y a des discussions, mais moi je pense que c'est plutôt des réunions de travail, peut-être pour de nouveaux aussi projets. Hein, ça me parle d'un homme. Ça me parle d'évolution. Bon, peut-être de papier, d'un nouveau contrat aussi. Voilà, une correspondance, vous voyez. Il y a des choses qui n'ont pas été, c'était le dos de la carte aussi, hein, culpabilité. Aujourd'hui, on a besoin de prendre de la hauteur et on a besoin de changement. Vous voyez, on a besoin, on me dit, du changement, de nouvelles choses. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on n'accepte pas. On a été trahi. Moi, je vois la trahison. Vous voyez, on a été trahi. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. La trahison, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Donc, il y a un nouveau projet, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Comme des mains tendues, comme une surprise, comme un cadeau, en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Moi, je vois peut-être un nouveau travail, je vois de la correspondance, je vois peut-être des signatures de papier, peut-être de papier, alors, papier administratif, papier juridique. Ça peut être un nouveau contrat de travail puisque ça fait partie aussi, un contrat, c'est quand même, c'est carré, je veux dire, pour une évolution. Il y a des choses qui n'ont pas été, je pense, dans votre travail. On voit un changement, peut-être un voyage, peut-être on part ailleurs. Peut-être que, en tout cas, il y a des choses nouvelles pour vous. Peut-être aussi un bébé, hein, qui arrive aussi, hein, donc qu'on va fêter. Voilà, on l'accepte plus, on a été trahi peut-être, certainement dans son milieu de travail professionnel, vous voyez. Maintenant, on s'engage sur de nouveaux horizons. Vous voyez, il y a un nouveau chemin pour vous, ici, avec des choses nouvelles, en tout cas. Quelque chose qui arrive à point, qui arrive comme un cadeau, en tout cas. Et moi, je vois un changement. Vous voyez, il y a vraiment un changement pour vous. Ma miroir magnétique, les ouvertures. En tout cas, c'est une chance, une opportunité qui arrive pour vous. Et voyez, on fait, voilà, on a son destin, on va choisir de changer, en fait, sa vie. Hein, donc, on va déjà changer de travail, en tout cas. Donc, pour redonner un peu un second souffle, hein, parce qu'on voit que vous avez besoin de souffler. En tout cas, on voit qu'on prend la distance, on part vers autre chose, mais quelque chose de meilleur. Avec la chance, vous, les ouvertures, soit la destinée. Et puis, voilà, peut-être un nouveau projet de bébé, puisque moi, je vois la fécondité, et donc, on va fêter. Voilà, donc, c'était pour ce tirage général, donc, pour ce mardi 23 juin. Voilà. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Allez, pour le sentimental, allez, on va prendre la métisse. Allez. Allez, pour nos amis, donc pour le côté sentimental, pour ce mardi 23. Ouais, c'est un peu trop là. C'est un peu trop. Hop, je vais les remettre dans le paquet du coup. Ça y est, j'ai ma petite chienne qui fait ses cordes vocales. C'était les vocalistes d'aujourd'hui. Alors, j'ai mon mari qui dit tais-toi, mais elle a toujours le dernier mot. Hein. Toute façon, vous allez l'entendre dans la vidéo. Le dernier mot de Jean-Pierre. Allez, les petits messages. D'ailleurs, d'abord, je vais couper. Allez, les petits messages pour nos amis pour ce mardi 23.
Paris, 23 juin, merci de bien aimer ce message. Je trouve les amis pour le sentimental. Allez, c'est parti. Ben, c'est bon, j'en ai juste 3. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous délivrer comme petit message? Ben, c'est pas gay aujourd'hui. Donc, on vous parle peut-être d'un homme, hein, peut-être une femme. Hein, vous transposez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. On vous parle, c'est quelqu'un d'élégant, mais alors pas sérieux du tout. C'est quelqu'un qui a des apparences charmeurs. Quelqu'un qui est beau hein, quand même, hein, qui se fait beau, qui s'habille bien, qui est élégant. Mais qui est pas sérieux parce que en fait voilà il est superficiel voilà il aime plaire il aime bien charmer donc peut-être que vous êtes tombé sous son charme actuellement et le message voilà qui me délivre voilà on vous dit que peut-être que vous aussi en tout cas si vous êtes un homme voilà on vous parle d'une femme si vous êtes une femme on me parle d'un homme et c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses tout simplement. Il faut juste observer un peu et puis vous allez peut-être découvrir que cet homme-là n'est pas pour vous. Et peut-être que... Alors j'y dis peut-être parce que... Si je dis peut-être parce que c'est du général et que je ne peux pas affirmer pour tout le monde ces prédictions. Et ben, en fait, peut-être que c'est cet homme que vous allez découvrir ou cette femme qui est superficielle et qui ne va pas, qui n'est pas sérieux, qui ne va pas au fond des choses... Ben en fait, ça va peut-être bien tomber parce que en fait, on vous parle de retour de votre ex. Vous voyez, peut-être que certaines personnes, il y a le retour de votre ex. Tout simplement, donc peut-être qu'il y a une rencontre entre deux, hein, quelque chose qui n'aboutira pas, quelque chose de superficiel, une personne pas sérieuse qui ne va pas au fond des choses. Là, on vous parle de votre ex. Et le retour de votre ex, et on vous dit, voilà la réponse. Voilà, peut-être que vous allez repartir avec votre ex, pourquoi pas en tout cas. Voilà, peut-être que vous y pensez, peut-être que simplement, c'est des sentiments aussi. Peut-être que vous pensez toujours à votre ex aussi, hein, mais seulement vous ne le dévoilez pas et vous ne voulez pas... Peut-être en temps de raison avec vous-même, peut-être que vous dites non, 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 non. Et puis finalement, la réponse, voilà, vous l'avez. Hein, vous avez le retour de votre ex qui revient vers vous. Voilà, en tout cas, vous ne le dévoilez pas. Peut-être que vous laissez ça secret. Hein, voilà, vous avez des pensées secrètes, hein, tout simplement. Et que peut-être que vous désirez aussi que votre ex revienne, en tout cas, qu'il retourne votre ex, en tout cas. Cette relation, voilà, c'est même pas la peine, c'est superficiel. Voilà, il faut balayer. C'est quelqu'un qui est bien comme ça pour passer le temps, mais c'est tout. Voilà, c'était pour le côté sentimental, donc pour les énergies du jour, pour ce mardi 23. Allez, nous allons aller chercher donc nos petits anges. Donc pour ce mardi 23 juin. Hop, et là. Là, c'est plein de messages en même temps. Hein. Ah, c'était beau, mais c'est trop. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce mardi 23 mai. Juin, pourquoi je le dis au mai? Je ne veux pas vieillir, je vous dis. Allez, des petits messages pour ce mardi 23 juin. Hop, et là. Allez, le deuxième, troisième, et ben je les garde, allez. Ils ont sauté. Donc, on vous parle de compassion avec l'archange Zachiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voyez, il faut vous attendrisser votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, un peu de compassion. On vous parle ensuite de clairsensibilité. Alors avec l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. » Ah, très jolie aussi carte avec l'archange Raguel. Et puis cette carte qui est tombée, que j'ai quand même prise parce qu'elle n'est pas tombée pour rien.
Et on vous dit avec l'archange Jérémiel de surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voyez? Donc on va vers un avenir meilleur. Voilà. En tout cas, avec ces petits messages donc, de l'archange des anges. Très joli message en tout cas. Voilà, donc sur ce, bah, moi je vais vous quitter. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo du jour en tout cas. Prenez soin de vous en tout cas. Moi je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bisous bisous.